J'ai peut-être deux annonces à vous faire. C'est important. Apparemment, c'est une annonce importante. Oui. Laisse l'écouter, laisse parler. On m'a demandé d'allumer le projecteur, j'ai allumé, je m'exécute. Pour l'instant, Cosgeek, est-ce que vous allez bien déjà? Oui. Est-ce que vous êtes content? Oui. Est-ce que vous voulez rentrer chez vous? Non. Mais ça tombe bien, on peut dormir ici, là, vous avez de la place. Oui. Bah, c'est bon, j'arrête, je rigole. Apparemment, on a une annonce. Je peux commencer déjà par la première. Vas-y. Vous savez, dans l'organisation d'une convention, il y a des hauts, il y a des bas. Et souvent, dans les bas, on peut compter sur des amis. Je pense à Jocelyn, notamment. Jocelyn, bravo ! Parce que, bon, entre autres, hein, bien sûr, mais Jocelyn, à qui, malheureusement, j'avais annoncé que ce serait notre dernière édition cette année. Ce n'est pas le cas. Ça a fait plusieurs mois que je garde la surprise, qu'on essaie de garder la surprise. Et j'ai le premier invité à vous annoncer pour l'année prochaine. C'est pas moi. Il est en train de me pointer, mais c'est pas moi. C'est pas lui. C'est pas moi. Oh, si je vous dis Toy Story. Si je vous dis Indiana Jones. Si je vous dis Star Wars. On découvre ça ensemble. Si le projecteur est bon marché. Richard Darbois pour la prochaine Cosgeek, mesdames et messieurs. Les 23 et 24 mars 2024, au Goja. Notez ces dates-là, comme ça vous revenez. Vous savez qu'on sait. Voilà, c'est le premier invité confirmé de la prochaine édition. Je remercie Guillaume Limousin Rio Squad pour tout son travail, pour son accompagnement. Vous pouvez l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Il est parmi vous dans le public. Donc Richard Darbois, bien sûr, la voix de Buzz l'éclair, la voix du génie dans Aladdin, la voix d'Indiana Jones, la voix de Batman, qui sera présent parmi nous, l'invité d'honneur de la 6e édition, donc 23 et 24 mars 2024, au Koja. C'est pas ici, le Koja, c'est le gymnase au bord de Seine. On est déjà en train de préparer l'événement depuis peut-être bien deux mois d'ailleurs. Ouais, ouais. Au moins deux mois, on a déjà travaillé sur le plan, il y aura deux fois plus d'exposants, des animations de partout, un casting de fou furieux. On communiquera en temps voulu, mais voilà. Je voulais vous faire cette annonce à vous. Merci. Est-ce que cette annonce vous a plu?